Amy Basson. La gagnante est Amy Basson. Est-ce qu'on peut applaudir très fort, mesdames et messieurs? C'est une première nomination, premier Canal d'Or. C'est l'histoire qui s'écrit ce soir. Amy Basson, vous avez la parole en ce moment. Bien, avant de prendre la parole, j'aimerais que tu passes un bonjour spécial à nos fans. Bonjour, bonjour. Bonjour princesse, je réponds à leur place. Bonjour mes lovers, bonjour. Un petit sourire pour nous alors. Très joli sourire, hein. Merci, c'est gentil. Bien, entrons dans le but du sujet. Ok. Écoutons un peu son discours lors des Canal d'Or. Je vais d'abord remercier le Seigneur parce que moi je viens de très loin. Et beaucoup de gens quittent leur pays pour aller en aventure. Aha. Alors je dédie ce trophée à ma mère qui m'a accompagnée aujourd'hui et qui est la mère célibataire qui a tenu bon sur mon éducation et sur la valeur que j'ai aujourd'hui. Et aussi, je le dédie à tous mes lovers qui me soutiennent d'arrache-pied de partout dans le monde, ceux qui ne me connaissent pas mais qui m'aiment sans condition, ah oui, qui m'encouragent, qui me critiquent. Je vous dédie ce trophée. Et également à toutes les mères célibataires, parce que être une mère célibataire, c'est un gros combat dans la vie. Avoir des enfants sans accompagnement, c'est un gros combat. Alors, merci beaucoup au comité de Canal d'Or. Merci à toutes les personnes qui m'ont voté. Merci beaucoup à monsieur Ebenezer Kepombia. Pourquoi? Qui m'avait contacté pour me donner ce rôle, qui a non seulement révélé l'actrice que je suis, mais qui a aussi mis en moi une confiance au maximum. Hey, laisse les gens. Ok, Amy Dani, tu ne te rends pas compte qu'il y a une catégorie de personnes que tu oublies toujours de remercier lors de tes discours? Là, il a. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Vous voulez savoir? Oh oui. Parce que depuis, on ne parle pas que vous allez croire que... Oh. Léa, je t'attendais depuis dans ce dossier, c'est comment? C'est parce qu'on signale mes trucs et Facebook enlève. Waouh, Asia, hein? Les gens là qui signalent, le feu du Saint-Esprit doit vous consumer. Bon, attendez un peu, on va également écouter son deuxième discours au Burkina Faso. Merci au Burkina Faso, parce que ma première nomination, c'était au Burkina Faso, autant pour moi. On m'a envoyé la photo. Et quand j'ai vu la photo, je n'en revenais pas. Je suis allée sur la page des Académies de Sotigui et j'ai vu madame qui tenait le discours qu'on a montré ce matin. Je l'ai enregistré et je l'ai partagé partout. Ouais, ça c'est très bien. Merci beaucoup à monsieur Ebenezer Kepombia. Pourquoi? De m'avoir permis d'interpréter le rôle de Sophie Ewane, qui n'est pas une femme facile. Dégage, ça va pas moi. Avant de continuer, regardez un peu le poste de l'un de tes célèbres techniciens. Quelle déception du jour. Voilà donc la preuve que tes techniciens sont fâchés. Oh, c'est pitié incroyable. Amy Dani, pourquoi chaque temps, tu oublies de remercier tes techniciens? Point d'interrogation. Il faut donc savoir que sans des bons techniciens, même si tu es un bon réalisateur, tu ne pouvais pas démontrer ton talent au public comme ça, c'est grâce à ces techniciens. Vraiment, on est ça nous met notre cœur mal au cœur. C'est vrai. Dis encore alors, hein, ton dernier poste là, tu as seulement dérangé avec maman. Ils vont lire. Pourquoi ce poste, Amy Dani? Une comme moi, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas... Si j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un, je te cherche. Je te cherche et je te dis que voilà ce que tu as fait. Et puis on règle nos problèmes. Je ne suis pas le genre à aller parler derrière. Je ne suis pas comme ça. Oui, parlons vraiment des problèmes entre amis et collègues là. Paraît-il qu'il y a vraiment un souci? Oh, Amy a dit que Muriel n'est pas son ami. Objection, voilà la preuve que c'est faux. Maman, continue avec ton socoto. Muriel n'est pas son amie, Muriel est juste une collègue. Et que ses amis et ses collègues sont Poupi, Serge Bélan. Fais-moi le portail là. On fait comment? Continue. Donc j'ai suivi une émission hier où Amy Dani Basson dit que Muriel n'est pas son amie, Muriel est sa collègue. Et que les gens confondent trop les choses. Et que son ami, ses amis et collègues en même temps, c'est Marcel Christian, c'est Serge Bélan, c'est Erving Gitch. Qu'on appelle ça quoi? La malédiction. Est-ce qu'elle est alors obligée d'être amie avec tout le monde? Ça là, c'est jalousie. C'est vraiment la jalousie ça. Dans ce pays, mon frère.
La mère, c'est vraiment très grave dans ce pays avec la jalousie. Après, on entend les empoisonnements. Vraiment, c'est malheureux. Très malheureux même. Les Camerounais, que Dieu vous garde. Aimé Dani, tu dis quoi à propos de ces accusations? Ce sont des grandes filles, ce sont des filles qui savent ce qu'elles font, elles savent ce qu'elles veulent, elles savent où elles vont. Est-ce que vous pensez que de nos jours, en 2021, on doit encore être à l'origine des problèmes des matures? Sérieusement. C'est vrai. Et ceux qui te cherchent les problèmes tous les jours là? Une comme moi, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas... Si j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un, je te cherche. Je te cherche et je te dis que voilà ce que tu as fait. Et puis on règle nos problèmes. Je ne suis pas le genre à aller parler derrière. Je ne suis pas comme ça. C'est très bien ça. Qui est Aimé Dani Basson? Je suis Dindé. Pour la petite histoire, c'est récemment que j'ai retrouvé ma famille paternelle. Oui, parce que... Puisque ma mère m'a eu très jeune. Oui. Donc du coup, il y a eu trop de problèmes au niveau de... Quand je suis née, par rapport à mon acte, oui. Par rapport à ma grand-mère ne permettait pas à mon papa de me voir. Donc du coup, je n'ai pas eu cette chance-là. Mais dernièrement, j'ai rencontré ma famille paternelle. Ouais. Je me suis rendu compte que je suis Baganté Dindé. Ouais. Et ça a été un très grand plaisir pour moi parce que je me disais que je n'avais pas de famille du côté paternel, des frères, des sœurs. Mais à ma grande surprise, ils sont nombreux. Bon, ça va. On a compris, non? C'était tout pour aujourd'hui, les fans. Abonnez-vous. S'abonnez-vous. Abonnez-vous. Inscrivez-vous rapidement pour la formation en ligne qui va se débuter le 23 et le 24 novembre. Ouais, ça, c'est très bien. Inscrivez-vous au mars. Félicitations déjà à ceux qui sont déjà inscrits. À bientôt, date limite de 15 novembre. Les gars, ne ratez pas l'occasion. Ok. Bye bye. Mal. Pour ceux qui sont des jaloux, continuez à nous jaloux. Continuez à nous faire du jaloux. Et les jaloux vont maigrir. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.